Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette édition du débrief de l'actu sur Canal 2 International. Cela fait exactement 15 jours que le président Paul Biya a donné son onction pour le rachat des parts d'Eneo du groupe Actis en vue de la nationalisation de l'entreprise en charge de la production, du transport et de la distribution de l'énergie électrique au Cameroun. Quelle thérapie l'État va-t-il ou peut-il administrer pour satisfaire les besoins énergétiques des ménages et des industries au Cameroun? Nous en parlons ce soir avec quatre invités. Le quatrième va nous rejoindre dans un instant, Dieudonné Yebgange. Il est président de l'Association citoyenne des consommateurs d'énergie, de gaz et de télécommunications. Mais à ma droite, à ma gauche, je vais commencer par Serge-Henri Kelber. Il est ingénieur polytechnicien, spécialiste des énergies renouvelables. Bonsoir. Bonsoir, mon ami. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors, le parc énergétique du Cameroun repose essentiellement sur les énergies hydrauliques et du thermique. Vous restez favorable à une transition énergétique au Cameroun ? Oui, transition dans le sens où il faut déjà dire que 63 à 64% de l'énergie produite au Cameroun est hydraulique, donc de sources renouvelables, ça il faut le dire. Et maintenant, nous avons environ que 20 à 21% qui sont thermiques. Je pense que nous avons vu, observer un bond, n'est-ce pas, de ce pourcentage lorsqu'on a mis en place le TPE, le plan thermique d'urgence, qui, pour ma part... Moins d'un pour cent de l'énergie solaire. Non, le plan thermique d'urgence concernait la mise en place des groupes électrogènes. C'est un groupe électrogène, groupe thermique. Dibamba et Limbé sont arrivés plus tard. Mais il y avait des petites centrales thermiques telles que Bertois, qui était, n'est-ce pas, un réseau isolé, mais qui fonctionnait à 100% thermique. Et c'est une décision qui a été prise, n'est-ce pas, une proposition qui a été faite par le ministre de l'Eau et Énergie et acceptée par le chef de l'État. Mais aujourd'hui, puisque le Cameroun est arrimé aux OMD et aux ODD, aux objectifs millénaires pour le développement et aux objectifs de développement durable, et qui va nous amener à mettre out toutes les centrales thermiques, je dirais Limbé, et Dibamba en particulier, peut-être on va parler de Bamenda, de Mbalmayo, ainsi de suite. Pourquoi ? Parce que le choc, le séisme, n'est-ce pas, qu'a causé la guerre russo-ukrainienne, a eu un impact sur les économies européennes, comme sur l'économie camerounaise, avec la problématique d'approvisionnement de ces centrales en carburant. En carburant, oui. Donc, ça c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que le Cameroun est quand même un pays qui a signé certains accords internationaux, tels que le protocole de Kyoto. Plus tard, nous avons adhéré à la COP 21 à Paris, la COP 27, ainsi de suite. Donc, le Cameroun est sensible, n'est-ce pas, à la protection de l'environnement. Et nous ne pouvons pas, bien que nous soyons membres du bassin du Congo, continuer à avoir des centrales thermiques qui créent aussi quelque part une sorte de business, parce que derrière l'approvisionnement en carburant, il y a beaucoup de problèmes, et ainsi de suite. Donc, nous devons effectivement amorcer cette transition énergétique pour avoir au moins 90% de la production de l'électricité au Cameroun en énergie renouvelable. Justement, c'est dans la même veine que je disais qu'à l'heure actuelle, nous sommes à peine 1% des énergies renouvelables, à savoir l'énergie solaire. Tout à fait. Merci beaucoup, Yves Abama. Vous êtes communicant du RDPC. Merci d'être venu sur notre plateau ce soir. Merci, bonsoir. Alors, la privatisation de la défunte Sonel fait partie des conséquences du plan d'ajustement structurel. On se souvient, au milieu des années 80, le Fonds monétaire international impose le plan d'ajustement structurel à bon nombre de pays africains, dont le Cameroun, parce que incapable d'honorer à ses engagements financiers chez ses partenaires occidentaux. Cette envie de racheter Eneo peut-il augurer de ce que l'économie camerounaise se porte à nouveau bien ? Oui, bon, c'est une façon de voir, hein, c'est une façon de voir. On ne peut pas, dans un contexte
aussi bien nationale et internationale, tendue comme le Golfe, parlait de manière si péremptoire. Mais on peut dire que si le gouvernement a décidé d'aller dans ce sens, c'est que le gouvernement a vu des signaux verts pointer à l'horizon et le chef de l'État a décidé d'autoriser ce rachat. Je voudrais rappeler que au-delà de l'embellie de notre économie, c'est un acte qui rentre dans une espèce de souveraineté, la recherche d'une souveraineté énergétique. Il ne vous a pas échappé qu'à l'occasion de la guerre russo-ukrainienne, on a vu un nouveau conflit, entre guillemets, apparaître en Europe autour de l'énergie. Vous voyez, c'est-à-dire que l'Union européenne qui, à un moment donné, dépend à plus de 40-45% de l'approvisionnement du gaz et du pétrole russe, a dû souffrir un peu. Et quand on essaye de voir ce qu'ils sont en train de mettre en place aujourd'hui comme batterie pour se libérer de cet approvisionnement extérieur, on peut se dire que le Cameroun est en train d'aller dans une très bonne direction. En fait, c'est un pas de plus vers la souveraineté énergétique que nous recherchons tant. Vous savez que il a été dit depuis belle lurette hein, par plusieurs spécialistes du domaine, et je ne pense pas que ceux qui sont autour de la table vont me contredire. Il y a des domaines dans lesquels l'État doit garder une pleine souveraineté. Et je pense que le domaine de l'électricité en est un. Il y a un certain nombre de récriminations qu'on a fait jusqu'ici à Eneo. Quand vous rentrez là-dedans, vous vous rendez compte que ça va du social vers l'investissement, le développement même de leur exploitation, de l'outil d'exploitation. On a le sentiment que ces dernières années, ce n'était pas trop ça. Bon, on peut aussi dire que nous, d'un autre côté, est-ce qu'on a respecté tous nos engagements? Est-ce que bon, là, c'est là le problème. Mais quand on regarde de l'autre le côté, voilà, de cette émission. Merci beaucoup. Yamtimba, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes écrivain panafricaniste. Vous venez de commettre un ouvrage intitulé Bokibom. Vous allez m'aider à mieux le prononcer. Bokibom. Alors, c'est une critique socio-économique et politique de la société camerounaise et de l'Afrique moderne. Pour vous, la nationalisation d'Eneo s'inscrit dans la mouvance de la souveraineté des États africains que vous réclamez à corps et à cri. Non, je crois que c'est quand on voit les choses, on dit les choses comme ça directement, ça déloigne les gens d'erreurs et de fautes de gestion préalables qui auraient dû nous éviter d'en arriver là aujourd'hui, et surtout la structuration de cette reprise qui malheureusement n'est pas de nature à nous rassurer. Mm-hmm. Si nous avions été beaucoup plus sérieux, on n'aurait pas du tout privatisé comme on a privatisé de manière générale au Cameroun, parce que privatisation ne veut pas dire vendre les entreprises. Privatisation, elles se sont déroulées comme ça parce que malheureusement le système international dans lequel nous sommes en fait domine et exploite nos pays. Nos pays comme le Cameroun ne sont pas des pays libres. Parce que souvent nous engageons des débats au Cameroun, c'est comme si nous étions des pays libres qui vont dire bon, on va décider de ci, on va décider de ça. Pas du tout. Nous sommes des pays qui sont sous néocolonialisme et beaucoup de décisions qui semblent être des décisions prises par nos autorités jusqu'à quelques années, en réalité sont des décisions qui nous ont été imposées, comme celle de nous débarrasser des néos au franc symbole de la sonnelle au franc symbolique. Alors, il faut savoir que tel que cette privatisation, enfin cette... ce rachat. Je ne sais même pas comment appeler ça. Ce rachat, si on veut. Ou cette nationalisation. Ou cette nationalisation, si on veut. Sur le plan financier, ni l'un ni l'autre terme ne sont tout à fait exacts. Ce n'est pas tout à fait ça. Mais si... Parce que quand on fait ce genre de choses, et on vous crée des comités interministériels, ça n'augure pas de beaucoup de bonheur à venir. On nomme un directeur de programme, on nomme un chef de projet, et l'affaire est réglée. La question importante qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est comment ce secteur-là est organisé. J'ai entendu l'ingénieur, M. Kelben, nous dire qu'il y a l'État qui a pris un certain nombre de décisions qui étaient guidées par un certain nombre, par une certaine demande, un certain nombre de contraintes sociales. J'ai entendu M. Obama dire tous les deux ont rappelé l'Ukraine. C'est ça. L'Ukraine n'explique pas le Cameroun, n'explique pas les compétences du Cameroun. Si des gens, le Cameroun en 2000, en l'an 2000, avait ce qu'on appelle en économie, c'est-à-dire une capacité énergétique de création industrielle qui était d'1h15 en une année. C'est-à-dire que si vous preniez la production électrique du Cameroun en 2000 et que vous la répartissiez entre les habitants du Cameroun, ça faisait 1h15 de disponibilité énergétique.
Aujourd'hui, en 2023, ça fait 26 minutes. 26 minutes. Donc, les gens sont là, ils disent oui, l'approvisionnement de l'Ukraine, le carburant qui alimentait. Les chiffres, on peut avoir les sources. Vous vérifiez un peu. Les carburants qui alimentent les centrales thermiques au Cameroun ne viennent pas d'Ukraine, ne viennent pas de Russie. Donc, ça n'a rien à voir. Non. Rien du tout. Ce carburant-là, on a pris 700 milliards. Allez voir le budget du Cameroun, c'est pas moi qui le dis. On prend 700 milliards depuis un certain nombre d'années, on donne à des copains, on dit que c'est pour importer du carburant, alors que 1000 milliards auraient réhabilité la Sonara. Ça aurait permis d'avoir 150 mégawatts là, produits au niveau de la Sonara. Et donc, l'année d'après, on aurait économisé, d'ailleurs, en deux ans, on a 1400 milliards, on met 1000 là-bas et on prend 400. Et avec 400 milliards, vous faites 400, vous faites à peu près 600 mégawatts avec du gaz. C'est en 2019 que la Sonara a cramé. Nous allons entrer dans le développement de ces idées. Tout à l'heure, il y a un Mtimba. Eh bien, mesdames, messieurs, merci. Merci, messieurs, pour ce premier tour de table. Vous savez, ce projet de nationalisation de cette entreprise en charge de l'électricité au Cameroun charrie beaucoup de passion, beaucoup d'intérêt, beaucoup de commentaires. Au-delà de cette table, je vous propose d'écouter d'autres experts à qui nous avons tendu notre micro dans 2 minutes et 46 secondes. L'État du Cameroun est en train de prevoir sur la période 2023-2030 une remise, un redressement total du secteur de l'énergie, notamment de l'énergie électrique. Et pour cela, c'était important que l'État puisse avoir une mainmise totale sur la compagnie d'électricité, d'autant plus que ce redressement total du secteur de l'énergie électrique nécessite beaucoup d'argent. D'ailleurs, l'État du Cameroun a déjà entamé des négociations avec la Banque mondiale pour obtenir un crédit de 180 milliards. Et n'est aussi tenu de faire un apport d'environ 210 milliards. La nationalisation de l'entreprise Eneo est une décision politique et stratégique louable dans un contexte de transformation structurelle de l'économie qui appelle, entre autres, une certaine souveraineté dans des domaines tels que l'énergie. Les attentes ou les changements à court terme sont essentiellement au niveau de la géographie du capital. Il faut espérer qu'au-delà de ça, il puisse avoir un plan d'assainissement des relations entre cette entreprise et ses clients, notamment l'État, qui en devient l'actionnaire principal, en sachant que la difficulté de Eneo à recouvrer ses créances auprès de sa clientèle a constitué son tendon d'Achille pour le développement de ses activités et la mise en œuvre de son plan stratégique. En tant qu'entrepreneur et responsable du patronat, nos attentes, c'est que la gestion qui va être mise en œuvre après la nationalisation soit très efficace et permette à cette entreprise d'accompagner la transformation industrielle des entreprises et le développement économique de notre pays. Merci. Et la mise en place d'un ensemble d'outils modernes de gestion assortis de beaucoup de rigueur et de beaucoup de discipline. Il va y avoir ce que je pourrais appeler une péréquation scripturale pour pouvoir résoudre ce problème. C'est-à-dire que l'État se doit à lui-même désormais. L'État, il n'y aura plus besoin d'engagement en trésorerie, mais ce sera des engagements en signature. Et donc, la péréquation sera facile pour pouvoir subventionner l'énergie, parce que bon, l'État aura affaire à lui-même. Est-ce que l'État aura l'argent pour pouvoir payer la dette? Je pense qu'il y a des mécanismes de restructuration qu'on peut mettre en place pour pouvoir, je vais dire, apurer la dette sur un échéancier beaucoup plus long. Tour sur ce plateau, nous avons le bonheur d'accueillir Dieudonné Yebga. Vous êtes président de l'Association citoyenne des consommateurs d'énergie, de gaz et des télécommunications. Merci de nous avoir rejoints. Finalement, vous avez bravé les embouteillages, parti de votre village natal. Matom, c'est dans le centre. C'est bien cela. Bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à tous les co-panélistes. C'est difficile vraiment de vivre sans vous, parce que nous, quand on tout simplement mérite un salaire. Je ne peux pas être à l'entrée de Douala à 16h et puis j'arrive à Bonadio à 19h. C'est quand même terrible, mais moi je suis quand même là.
et j'ai un calendrier sincèrement trop chargé parce que hier, vous savez, on dit un peuple sans culture, c'est un peuple appelé à disparaître. L'État du Cameroun a décidé, n'est-ce pas, de rendre notre Ngoble Touba un site touristique. Donc hier, nous étions avec nos frères Bati pour essayer de comprendre, n'est-ce pas, cette note du ministre. Ce matin, j'étais à Ezeka parce qu'il faut qu'on organise un festival culturel en fin d'année. Et demain, ça c'est nous, nous promettons que nous allons retransmettre ces événements sur Canal 2 International. Je rappelais tantôt que vous êtes le président de l'association citoyenne, des consommateurs d'énergie. Et c'est à ce titre, justement, que vous êtes invité sur ce plateau. Quand le président Paul Biya a donné son go-ahead depuis le 5 septembre dernier pour la nationalisation ou le rachat d'Eneo, vous avez poussé un ouf de soulagement en tant que président des consommateurs ou cela vous a-t-il laissé de marbre? C'est par là où j'allais chuter parce que demain, déjà, je vais aller au nord et parce que depuis un certain temps, le nord a été sevré de l'obscurité. Alors, nous voulons bien comprendre. Sevré de lumière, d'électricité? Non, de l'obscurité. Et quel nom de l'État du Nord? Alors demain, je serai au Nord, je serai toute la semaine pour comprendre pourquoi le Nord n'a plus de délestage. Et là, c'est une très bonne information. Il faudrait que ce bâton magique qu'on a utilisé là-bas, qu'on puisse revenir avec ce bâton ici dans le Grand Sud. Alors, par rapport à votre question, donc, moi j'ai envie de dire que est-ce que vous avez une certitude qu'il y aura une nationalisation du secteur? Parce que nous sommes dans le secteur, nous ne sommes pas dans une société qui distribue, nous sommes dans un secteur. Alors, moi j'ai envie de comprendre. Est-ce que ce n'est pas quelque chose de complexe quand nous savons que EDF est derrière l'Astigal et quand nous savons que l'État du Cameroun ne paye pas les distributeurs, il y a un problème de dette qui se pose. Est-ce que l'Astigal, EDF qui est derrière cette affaire, va accepter de libérer son énergie tout en sachant que celui qui va distribuer ne va pas bien payer? Moi, je m'interroge encore. Donc, je suis en train à la tête des informations pour que... et on puisse avoir la bonne information. Et justement, à la suite de vos multiples interrogations, Ibabama, c'est une entreprise avec des normes passives que l'État s'en va acheter ou s'en va racheter. Vous vous souvenez, lorsqu'il prenait fonction, le nouveau patron de Neo, le franco-marocain, il disait justement que... Il a pris fonction à la suite de la démission de son prédécesseur. Il disait que l'entreprise connaît une situation des plus tendus, le climat social est perturbé, les sous-traitants sont de plus en plus exigeants, un relâchement des respect des valeurs, l'image de l'entreprise est ternie. De quelles solutions miracles l'État compte-t-il apporter pour redorer l'image de cette entreprise et satisfaire les besoins des populations, que ce soit des besoins industriels, que ce soit des besoins domestiques? Bon, je ne sais pas si je peux vous donner la solution miracle et je comprends le sous-entendu de votre question. C'est d'autant plus que nous sommes dans un contexte où on a vu la gestion d'un certain nombre d'entreprises qu'on peut qualifier de pas toujours très catholiques. Vous voyez, c'est-à-dire que les dettes sont là. Quand on arrive, on s'installe, au lieu de chercher à dégraisser pour limiter les charges, question d'apurer, de dégager les fonds pour apurer plus rapidement les dettes, on recrute, on espère, hein, vraiment, le souhait c'est qu'on n'aille pas dans cette entreprise avec la gestion à la camerounaise qu'on a vu dans d'autres entreprises que nous ne voulons pas citer ici, où vous avez un personnel parfois exorbitant, se demande mais comment on fait pour payer les charges salariales déjà, tire l'entreprise vers le bas alors que l'investissement lui ne suit pas. On peut se poser cette question, mais on se dit quand même que... 80% du personnel des NEO, c'est des temporaires, c'est des sous-traitants. Oui, justement. Et je pense que c'est l'un des tout premiers chantiers qu'il faudra aborder. Il faut remettre un peu de l'ordre dans cette affaire-là. Essayer de voir, comme certains directeurs d'autres entreprises que je ne vais pas citer ici, ont essayé de le faire, clarifier le statut des uns et des autres, décider avec qui on continue, avec qui on arrête, parce qu'il y a des décisions fortes à prendre. Et aujourd'hui, on ne peut plus se contenter de gérer des entreprises sous le seul prisme social. On va dire que comme c'est pour l'État, la seule chose qu'on a fait, c'est de satisfaire la demande sociale. On ne regarde pas les exigences du management moderne. Parce que s'il faut aller dans cette affaire de cette manière-là, j'ai peur que quelques années, même quelques mois après,
on en soit à crier et qu'on se retrouve dans une situation qui est pire que celle de départ. Votre inquiétude, elle est normale dans un contexte où on a vu d'autres choses se faire de cette manière-là. Mais je me dis sincèrement, nonobstant les objections du philosophe tout à l'heure et l'économiste, il a fait des objections où il estime qu'il y a de l'incompétence de part et d'autre. Bon, c'est son lexique à lui. Nous pensons que les choses ne se passent pas de cette façon-là. Nous pensons que l'implication personnelle du chef de l'État dans la perspective de rechercher la souveraineté énergétique du Cameroun va faire que les choses se passent d'une autre manière. Et je voudrais rassurer le grand frère Kelbert, pas le rassurer, hein, juste dire que ce n'est pas un hasard. Quand vous avez parcouru la SND 30 et que vous vous rendez compte des objectifs énergétiques que le Cameroun s'est fixé, je vous assure, nous sommes en train d'aller dans ce sens-là. Tout à l'heure, Mbombok dit qu'il va aller au nord, se renseigner sur le miracle qui a été opéré de ce côté pour que le délestage ne soit plus énergie renouvelable. Il vous souvient que le gouvernement avait lancé, je pense que c'était en 2020-2021, une campagne d'installation de panneaux solaires dans plusieurs villages. Vous voyez, bon, peut-être elle n'a pas été efficiente, mais elle a quand même été suffisante pour diminuer un peu les souffrances, pour éloigner un peu l'obscurité de certains Camerounais. Peut-être c'est une politique qu'il faut continuer, parce qu'elle aussi, elle est prévue dans la SND 30, et on ne sait pas, peut-être à l'horizon, à un certain horizon, avec la combinaison d'une bonne gestion de la nouvelle ENEO nationalisée, on aura peut-être... Serge-Henri Kelbert, quand on parle de la partie septentrionale du Cameroun, on parle essentiellement de l'énergie solaire, le taux d'ensoleillement est suffisamment pourvu pour que ces populations-là ne connaissent pas les délestages d'antan. De façon péremptoire, peut-on affirmer que les privatisations, et singulièrement celle du secteur de l'énergie électrique au Cameroun, a été un échec? Bon, je peux dire que ça a été un échec parce que j'ai eu à échanger et à travailler avec une autorité très proche du chef de l'État qui, lors d'une discussion, m'a carrément dit « Si on savait que c'était ça la privatisation, je pense qu'on n'allait pas le faire. » C'était à son temps le défunt directeur du cabinet civil de la présidence qui, à cette époque, était conseiller spécial du chef de l'État. De regretter mémoire, son Excellence Martin Belingaï-Boutou. Donc, si à ce niveau, on émet des réserves, ce jour, j'avais compris qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Mais moi, c'est par politesse que j'ai répondu à votre question, mais beaucoup de choses ont été dites sur ce plateau. Je voudrais revenir. Déjà, je voudrais répondre à la question de Mbombok sur son miracle. Il faut dire ici qu'il était un ancien délégué. Je voudrais rassurer aussi mon frère Yamb sur certains aspects. Madame, nous parlons de l'électricité. Et comme Mbombok l'a dit, c'est un secteur. Le Cameroun a opté pour un mix énergétique. Vu la conjoncture, c'est-à-dire nous produisons de l'électricité à base de gaz naturel produit sur le territoire camerounais. Nous produisons de l'électricité à base de l'hydroélectricité. Nous n'avons même pas encore utilisé 10% de notre potentiel énergétique. Pourquoi ce déficit alors? Je vais revenir. Allons-y. Ce sont les politiques. Vous vous rendez compte qu'entre 2011 et 2018, l'État du Cameroun, parce qu'il faut bien le dire, et que les téléspectateurs... Qui encourager le les politiques énergétiques, madame. Mm-hmm. Mais il faut dire, je voudrais préciser ici, et que les gens comprennent, il n'est écrit nulle part dans le cahier de charge de, que ce soit AES Corp, que ce soit Eneo Actis, que c'est eux qui produisent l'électricité. L'électricité, les barrages sont construits et produits par l'État du Cameroun. EDC est là. Eneo gère les infrastructures, c'est-à-dire aider à son loulou, lac d'eau et quelques centrales. N'accusez pas Eneo de ne pas produire l'électricité. Je le dis, ce n'est pas son devoir. C'est l'État. Et les politiques énergétiques dans notre pays ont été plombées pendant au moins 10 ans. Comment se fait-il qu'entre 2011 et 2018, nous avons pu donner, injecter dans le réseau du concessionnaire 520 mégawatts. C'est tout simplement parce que nous courons après un gars. Et
il y a à peine 60-70. Nationalization of NEO experts at 1 year that of manifold. Centrale Agrico à Yaoundé pour aller renforcer le réseau interconnecté nord, le ring. Il faut aussi dire quelque part que la charge, c'est-à-dire que les abonnés, n'est-ce pas, Enéo, justement, dans son cahier de charge, était chargé de connecter ou d'interconnecter un certain nombre de personnes et il n'a pas atteint ce nombre. Ce qui fait qu'au nom, si vous produisez 100 MW et que vous avez 98 MW de charge, vous avez l'impression que tout va bien. Or, la population croît de 6% chaque année, les demandes en énergie. Parlant du solaire, moi j'ai électrifié de Kumba et Kondotiti. Ça c'était en 2014. 32 villages ont été électrifiés par, c'est-à-dire ma tête, ma réflexion. C'était un projet financé par l'Union européenne qui a connu beaucoup de problèmes, mais nous l'avons achevé. Le projet Rumpi, qui avait même un barrage de 4 MW, mais avec la guerre, ce barrage-là n'a pas pu terminer parce qu'on a pris les gens en otage. Mais je vais revenir pour faire comprendre à mon ami Timbaque. Le Cameroun produit du mix énergétique. Nous avons des centrales à Kribi, je crois, 83 MW. Nous avons Dibamba, 45 ou 43 MW. Ces centrales fonctionnent avec du gaz et du fuel lourd, avec du gasoil et du fuel lourd. La Russie, à elle seule, vous l'avez dit, je ne sais pas qui l'a dit le plateau, produisait environ 40 à 45 du gaz de toute l'Europe. Alors, vous pouvez imaginer qu'un pays comme le Cameroun, comment la Russie ne va pas nous fournir du gaz, du pétrole ou du carburant, aller à Tradex, aller à Total. Et Total est installé en Russie. Total, comme vous voyez, est installé en Russie. Donc, ils sont les fournisseurs de Enéo. Et quelque part, l'embargo mis sur les produits pétroliers russes et tout ça ont créé toute une autre composition de la logistique des tankers pour l'approvisionnement du pétrole. Et pour chuter, si vous permettez, il faut dire que la production d'électricité par le thermique plombe un peu la facturation. Bon, on pourra en parler peut-être dans une autre émission. Et c'est l'occasion de dire ici que l'électricité coûte encore un peu cher au Cameroun, tout simplement parce que le prix du kilowatt-heure d'électricité produit par une centrale thermique est largement supérieur à celui produit par le gaz à Kribi, par KPDC ou bien à Aïdé et à Issoumoulou. Donc, on n'arrive pas à faire ce qu'il parlait, une péréquation. D'accord. Il faut faire un lissage sur les coûts. C'est compris. Et Edmond Platé, l'économiste, justement, parlait également de péréquation pour apurer la dette de l'État. L'État est le principal créancier des NEO, un peu plus de 180 milliards de dettes. Et pas plus tard qu'au mois d'avril dernier, le Premier ministre Joseph Djangouté recevait une mise en demeure de David Grimes, qui est le patron d'Altice, et qui invitait justement l'État du Cameroun à payer cette dette, sinon il devrait être traîné en justice pour retention illégitime de ses liquidités. L'État n'a-t-il pas ses parts de responsabilité dans ce qu'on pourrait qualifier d'échec entre guillemets de NEO, parce que justement le patron d'Actis estime que le cahier de charge Yam Timba aurait pu être atteint ou aurait pu être, comment le dire, on aurait pu avoir de meilleurs résultats si jamais on n'avait pas des dettes aussi colossales. Il raconte n'importe quoi. Ce n'est pas tout à fait vrai. Parce qu'en réalité, AES Sonel n'est pas arrivé dans ce pays pour donner de l'électricité au Camerounais. AES Sonel est arrivé dans ce pays pour s'assurer que le pipeline est approvisionné en électricité. Point. Tout le reste, c'est les histoires. Si
On parle. Ça va pas changer avec son remplaçant. Ça ne change pas. Ça ne change pas. Le problème de fond, c'est qu'en réalité, entre 2000, quand ces gens-là arrivent et aujourd'hui, l'augmentation de la production du Cameroun n'atteint pas 40%. Et je vous ai dit que quand vous prenez ce qu'on appelle en économie la capacité énergétique de création industrielle, vous partez de 1h15 en 2000, aujourd'hui 26 minutes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a moins d'électricité disponible par rapport à la population que nous avons aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, nous avons un pays où, je me souviens qu'en 2015, je connais un jeune homme qui portait un projet d'électricité où on devait investir 5 milliards de dollars dans ce pays. À Yaoundé, les gens sont là, ils tournent en rond. 5 ans, 10, près de 10 ans après, ça n'a pas évolué. Pourquoi? Parce qu'ils ne donnent pas d'argent. Parce qu'ils ne donnent pas de bakchiche aux gens. Oui, c'est ça. Le mapartisme, le fameux. Oui, mais c'est ça l'affairisme de ces gens. Ils sont assis dans les bureaux, ils ne font rien. Après, ils viennent raconter que la Russie est montée, l'Ukraine est descendue, tout ça. Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas non plus le problème d'investissement. Quand vous scrutez le budget de l'État, il est tellement mal structuré que vous avez 700 milliards pour subventionner le carburant, alors qu'on peut réparer la Sonara un an avec ça. Et on a le carburant, donc on ne va plus continuer à subventionner. Cette disponibilité permet avec 1 million d'euros de faire 1 mégawatt. Ça veut dire qu'avec 700 milliards, vous faites 1050 mégawatts. Il faut que j'explique ça en quelle langue. Donc à partir de là, c'est une question purement d'incompétence. Monsieur a beau dire, c'est mon lexique. Quand vous dites qu'on gère mal les entreprises, ça s'appelle comment? Apparemment, tout le monde est incompétent. Vous êtes le seul à... Laissez parler. Non, mais vous faites dans des jugements de valeur, d'incompétence. Non. C'est pédagogique même pour à l'endroit du gouvernement de faire des analyses froides. Il pourrait vous écouter, les mettre en pratique. Quand vous commencez à nous dire c'est des incompétences, c'est tel, c'est tel. Vous allez y arriver. Écoutez, je lui donne une minute. Non, ne me donnez pas la minute. Alors, dans ce cas, juste, non, je négocie avec vous. Je suis pas sûr que la question. J'ai négocié que vous enleviez. Non, justement. Je suis pas sûr que sur le plan justement, technique, là où ça vaut. Je veux vous comprendre. Je veux que vous m'éduquiez. Mais donc, je souhaiterais que cas, vous enleviez les jugements de valeur. De vous. Non. Je parle pas que ce soit nous, que ce soit ceux qui nous écoutent à la maison. S'il vous plaît, vous taire, laissez parler. Oh là là. Soyez courtois. Vous perdez rien, soyez courtois. Dire que quelqu'un est incompétent, c'est non, non, c'est des jugements de valeur. Faites des analyses objectives pour que les gens en profitent. Laissez les autres en profiter. J'aimerais profiter de vous. D'accord, je me tais. Je veux profiter de vos analyses. Quand on dit vous avez géré une entreprise à l'emporte-pièce, ça veut dire que vous êtes incompétent. Maintenant, après, on peut utiliser de longs mots, beaucoup de mots, gérer à l'emporte-pièce. On peut dire un mot incompétent. Et utiliser beaucoup de mots, c'est ça la preuve de l'incompétence. En utiliser peu, c'est la preuve qu'on sait de quoi on parle. Donc, le problème que nous avons dans notre pays, M. Kelberg parlait de mix énergétique, mais je reste sur le fait, je vous dis, c'est un secteur géré depuis toujours de manière incompétente. Dans le mix énergétique, vous avez un barrage. Le temps de développement d'un barrage est de 7 à 15 ans. Une centrale à gaz, ça vous prend entre un an et demi et deux ans et demi. Et les gens sont là à vous dire, on fait un mix énergétique basé sur l'hydroélectricité. Quel est le pays qui s'est développé en se fondant sur l'hydroélectricité? Aucun. L'Égypte. 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 Monsieur Timba, vous racontez des histoires. Non, laissez les gens parler. Je suis pas d'accord avec vous. Je vous dis que Enéon fait des bénéfices. Laissez les gens parler. Enéon fait des bénéfices. Il ne va pas écouter. Non, je ne peux pas laisser le savoir. Enéon fait des bénéfices. Enéon fait des bénéfices. Quand vous parlez, je vous écoute. Mais retenez que Enéon fait des bénéfices. Quand vous parlez, on vous écoute. Je souris. Quand vous parlez. L'Égypte, le barrage d'Assouan. Quand vous parlez, le barrage d'Assouan sur le Nil a développé l'Égypte. Quand vous parlez, on vous écoute. Quand quelqu'un d'autre parle, je vais vous marquer une mais ne dites pas de bêtises aussi, quand même. Une petite pause, je vous reviens. L'Égypte a réalisé de belles performances. Oui, le barrage d'Assouan. Justement. Qui... Le Cameroun est dans le top 5 africain en matière de potentiel. Oui, le top 2 même, oui, si vous voulez. Oui. Et 18e mondial. Mais pourquoi n'avons-nous pas les résultats? Mais je vous l'ai dit, c'est la parole à M. Tiba, je suis d'accord, mais c'est les politiques énergétiques que moi-même, je regrette. Non, il y a non, c'est pas le problème de l'incompétence. Non, il y a aussi un manque de moyens également. C'est pas de l'incompétence. Non, je ne peux pas dire ça comme ça. Je reviens à vous. Madame Nancy. Cette question, elle est prévue dans mes fiches. Oui. Le Cameroun, vous l'avez confirmé, est dans le top africain en matière de potentiel hydraulique. Oui. Comparaison peut être raison dans certaines circonstances. L'Égypte a pu faire un bond avec son potentiel naturel. Non. Pourquoi le Cameroun n'y arrive pas? Non. Attendons-nous très bien.
Vous ne pouvez pas comparer le Cameroun à l'Égypte. Oh. Je pose juste la question. Oui, mais je suis en train de répondre. L'Égypte est déjà un pays émergent parce qu'il a dépassé les 40 000 mégawatts. Ils ont 40 gigas de production d'électricité. L'Égypte, déjà. Pour que le Cameroun soit émergent, il nous faut au moins atteindre les 16 000, 17 000. Donc, il nous faut 10 fois ce que nous avons déjà en termes d'électricité. Mais je veux vous dire que l'Égypte, c'est l'Antiquité. Ce n'est pas aujourd'hui que l'Égypte a commencé à se forger. L'Égypte, en fait, si vous voulez, a une chance, c'est que ils ont l'argent qui vient du canal de Suez, ils ont une position géographique avec l'océan. C'est comme la Tunisie, l'Algérie, le Maroc. Ces pays sont en avance par rapport à tous les autres pays du continent noir, y compris même le Nigeria, malgré sa population. Il n'y a que l'Afrique du Sud, sur le continent, qui peut rivaliser avec les pays qui sont face à l'Europe. Parce qu'il y a eu un transfert de technologie, il y a toute une mentalité qui s'est installée sur ces pays de la Méditerranée. Mais en ce qui concerne le Cameroun, ça je vais vous le dire honnêtement, nous avons péché parce que pendant les époques d'ajustement structurel, le Cameroun n'a pas investi dans le secteur de l'électricité. Le marché de l'électricité au Cameroun, rien qu'au Cameroun, parle pas dans la source des gens en plus central, c'est 13 000 milliards. Cessez de construire des immeubles R plus 40. Mettez l'argent dans les centrales hydroélectriques pendant 10 ans, pendant 15 ans, 20 ans, La loi existe. La loi du 24 décembre, le 24 décembre 098, du 24 décembre 1998, sur la libération qui a été retoilitée en 2011, demande au secteur privé de s'investir, même si le ministre Gaston Lundi Sobalo dit aujourd'hui, cette loi a plus de 20 ans, les gens ne sont pas informés parce qu'il y a l'Arcel, le régulateur, qui ne joue pas parfaitement son rôle et qui devait inciter les privés qui mettent beaucoup d'argent dans le béton, même les communes. La commune de Pouma peut faire un barrage en Gouaye. La commune de Bafang avec celle de Banka peuvent faire un barrage sur le Haut-Cam. Il y a des gisements, allez vous renseigner, il y a des gisements où les privés peuvent s'investir. Et ce gap-là, c'est la politique énergétique du Cameroun qui n'a pas été bonne pendant une période. Vous avez parlé de 13 000 milliards. 13 000 milliards de business. Et le Cameroun... J'aimerais justement... Le Cameroun deviendra comme le Québec qui vend de l'électricité jusqu'aux États-Unis et dans d'autres provinces du Québec. Henri Kelvin, ça suppose que... Avec le il y a de l'argent à se faire. Ça veut dire qu'avec le seul secteur de l'énergie, bien sûr, le Cameroun peut apurer sa dette publique qui oscille entre 12 000 et 13 000 milliards. Ça va se faire. Donc c'est possible avec ça un va seul se secteur. Faire. Je peux continuer. Voilà, vous pouvez continuer. Je vous donne la parole. Vous voyez, quand les autres parlent, je ne parle pas. J'aimerais que quand je prends la parole, qu'ils m'écoutent. Allez-y. Parce que, monsieur, quand je vous parle de l'énergie, je ne veux pas parler de l'énergie de l'extérieur. Aller à la présidence de la République, au premier ministère, au ministère de l'énergie, à l'Arcel, à Eneo, vous trouverez là-bas un projet que j'ai déposé pour 5 000 milliards, pour 5 milliards d'euros. Je ne vous parle pas de choses que les gens, des rêves que les gens font, monsieur. Je vous parle de choses concrètes. Et quand je vous parle de choses concrètes, écoutez-moi. Et en plus, nous découvrons aujourd'hui que l'Égypte est un pays développé. Oui. Très bien. Voilà, merci. L'Égypte est un. Laissez-moi finir. Je 30 secondes. Je vais. Laissez-moi parler. Vous donnez la parole à 5 minutes sur mon temps de parole. Laissez-moi parler. Ce que j'explique, quand je dis qu'il y a de l'incompétence, et tout le monde le répète, mais quand c'est moi qui le dis, apparemment, ça chauffe. Les gens vous disent qu'il y a de mauvaises politiques, il y a tel qui ne joue pas son rôle, mais c'est ça qu'on appelle l'incompétence en management. Le mix énergétique qu'on aurait dû installer au Cameroun. Lorsque vous vous dites, on se base sur l'hydroélectricité, 5 à 15 ans de développement pour un barrage hydroélectrique. Il y en a même qu'on est en train de construire, là, ça fait 20 ans, on n'a toujours pas fini. Et or, vous construisez, vous avez du gaz partout, Douala, Limbé, etc. Vous avez entre 1 an et demi et 2 ans et demi pour construire une centrale à gaz. Donc, la solution aujourd'hui, et là, je sais de quoi je parle, je ne dis pas qu'on dit que, je peux même offrir au gouvernement, puisque certains demandent qu'on offre ça, je peux même leur offrir des simulations financières s'ils veulent, puisque j'en ai faites. Et qui ont été relus à des hauts niveaux, parce que c'est des fonds d'investissement qui les ont validés. Donc aujourd'hui, ce que nous disons, et il faut qu'on commence par l'accepter, on s'y est mal pris, et comme on s'y est mal pris, on s'est retrouvé dans une situation où les gens vous racontent que les centrales thermiques produisent de l'énergie tellement plus chère que le prix d'achat, c'est faux. Aujourd'hui au Cameroun, quand vous regardez... on peut produire de l'électricité à partir du gaz à 50-55 francs le kilowatt. On peut le faire et je sais de quoi je parle. Or, la plupart de ce qui existe là, on va vous raconter que c'est 80 francs, c'est 100 francs.
Quel est le business plan qui est derrière? Vous êtes dans un secteur d'affairisme, madame. Et c'est cet affairisme, en réalité, qui fait que chaque fois qu'on dit aux gens qu'il y a de l'incompétent, ils sursautent, ils commencent à crier, ils parlent très fort. Le fond du problème, je chute par là. Le problème de notre pays, c'est que vous avez un type qui est franco-marocain, qui s'amène, qui va vous raconter quelle est la situation de votre secteur de l'électricité. Alors que vous avez le top 200 de Eneo qui a 3600 emplois. Vous avez le top 200 qui connaît les problèmes d'électricité du Cameroun mieux que tout le monde. Vous avez un ministre de l'énergie à qui vous pouvez écrire 200 lettres, il ne vous répond même pas. Comment vous allez vous en sortir dans cette situation-là? Il n'y a pas de développement sans énergie. Je reviens à vous, président de l'association citoyenne des consommateurs d'énergie. Quel est le ressenti des industries, des porteurs de l'économie, des élèves, des familles, on a parlé du domaine domestique en général. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Quel est leur ressenti? Alors, vous savez, pendant la CAN, on leur a demandé de participer à améliorer l'image de marque de notre pays. Ils ont serré des ceintures et ils ont. Tout le monde croyait que le Cameroun se portait bien côté énergétique. Et après, c'était un délestage faux. Donc, ce que les industriels pensent aujourd'hui, ce que les familles pensent, c'est que le Cameroun n'a pas de politique énergétique. Alors, moi, Yam Timba, il est très modeste. Parce que ce projet qu'il a suivi, il fallait qu'il vous dise la vérité. Qu'il a monté un projet. Vous parlez là de 200 milliards et on lui demande 20% pour que ça passe. Et on demande même qu'on change de chef de projet, que c'est le Cameroun qui doit nommer un chef de projet parce qu'ils ont eu beaucoup d'argent. Pour 5000 mégawatts, c'est qu'on n'a pas ce problème aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à combien de mégawatts? Je ne sais pas si on atteint 1600. Mais ce projet, en 4 ans, donnait 5000 mégawatts. Donc, on ne serait pas en train de chercher les mégawatts aujourd'hui. Et ça fait, je crois, 4 ans. Que ce dossier avait été déposé, que nous avons suivi, on connaît ce dossier. Donc aujourd'hui, quand vous demandez que les 5000 mégawatts, vous dites bon, 5000 mégawatts. Je parle bien de 5000 mégawatts. À combien le coût? Tu remplaces le modérateur, la modératrice. On est là pour savoir. Tout à l'heure, il va réagir. C'est un projet que moi j'ai vu. Je dis, je répète, de 200 milliards, et on a demandé 20% à ces jeunes. Vous ne pouvez pas produire 5000 mégawatts avec 200 milliards. Vous ne pouvez pas. C'est pas nulle part sur la planète. Je connais le coût. Vous ne pouvez pas. C'est pas ça qui est important. D'accord. Donc ce n'est pas le coût. C'est pas le coup. C'était le coup d'une partie. Bon, d'une partie. Merci, monsieur Yam. Voilà, justement, je suis encore avec vous. On parle de nationalisation des NEO. Il n'y a pas un délai prévu pour atteindre cet objectif. Vous êtes un tout petit peu inquiet si tant il est que la nationalisation pour vous est la planche de salut pour finalement résorber le problème énergétique au Cameroun. Moi, je pense qu'on parle de nationalisation. Je ne suis pas sûr que ce sera une nationalisation. Je pense que l'État veut reprendre la distribution de l'énergie électrique pour confier à quelqu'un d'autre. Ça, je l'ai dit à l'entente. Parce que quand je regarde EDF qui travaille à Nachtigal, j'ai envie de croire que ce projet qu'on veut enlever à Actis ne pourra pas rentrer dans le portefeuille de l'État. Parce que, nous sommes très fiers qu'on nationalise ce secteur. Nous sommes très fiers, mais la gestion que nous avons connue à l'époque, cette gestion-là, nous fait peur. Moi, je vais vous prendre un exemple social. On est en train de parvenir. La lettre du SGP est formelle. On va répondre à la problématique de cette émission. On dit 10 secondes chacun. La solution serait laquelle au terme de cette nationalisation? Quelle thérapie apporter à... Non, moi je l'ai dit dans une chaîne de radio ce matin, écoutez, on va faire une nationalisation comme Camtel. C'est-à-dire, on a Camtel et puis sans publicité, on a d'autres opérateurs téléphoniques. Donc, la nouvelle société soit changera, non, elle changera pas, et Neo sera là et on aura des nouveaux privés qui vont venir dans le secteur pour la distribution. Parce que moi, je milite pour la libéralisation même de la distribution. Ibama. Oui, oui, je voudrais dire que, sincèrement, quand on écoute les
spécialistes comme Serge Kelber ou Yam Timba, il y a beaucoup de choses dans leur discours qui pourraient être bénéfiques. Quand je le reprends tout à l'heure, je lui réponds, ce n'est pas pour brouiller son message, c'est pour dire qu'en réalité, les éléments sont tellement techniques, il faut donner la possibilité à ceux qui écoutent peut-être de les récupérer, d'aller les implémenter. On peut prendre les choses que vous dites sur ce plateau, les mettre en application, peut-être sans qu'on ne vienne vous dire que c'est votre discours qui a structuré, qui a permis d'aller à ces sources-là. C'est pour ça que je demandais, je sollicitais, hein, je n'ai pas d'injonction à lui faire, qu'on essaie un peu de laisser les jugements de valeur de côté pour dire, moi je pense que ce que vous avez fait n'est pas bon, voici ce que je suis en train de proposer. Et je ne peux pas vous mentir, sur cette question j'apprends beaucoup. Ce que moi je sais, c'est que le gouvernement, depuis plus d'une décennie, a engagé une politique énergétique à travers la construction des barrages, à travers un certain nombre d'éléments qui font qu'on ressent le besoin de donner l'énergie aux Camerounais. Maintenant, les techniciens nous disent « ça a été mal fait ». Oui, si ça a été mal fait, faites des propositions et le moment venu, on les confronte. Voilà. Et quand on les fait, oui, mais que ces techniciens supportent aussi qu'on confronte leurs analyses à celles d'autres techniciens pour qu'à la fin, le décideur décide d'aller à gauche ou à droite. Donc voilà. On nous signale au niveau de la réalisation que nous sommes parvenus au terme de notre émission. Je vous ai dit, c'est un sujet qui charrie beaucoup d'intérêt, beaucoup de commentaires, mesdames, messieurs. Merci d'avoir été des nôtres ce soir dans le cadre du débrief de l'actu sur Canal 2 International. Quelle thérapie de choc l'État du Cameroun peut-il ou va-t-il apporter à Eneo ? Allez, au revoir, à demain. Bonsoir.